Okay, and then we go to the quarantine. J'étais là pendant la première mise de la première pierre. Je m'appelle Jackson Kabuya Yambeke, le directeur de Grâce Project ici à RDC. Grâce, c'est un centre qui s'occupe de la réhabilitation des bébés gorilles issus des détenteurs illégaux. Un bébé qui est stressé, qui est vraiment traumatisé parce qu'il a été témoin de la mort de ses parents et des membres de sa famille. On a eu cette idée de créer Grâce pour réhabiliter ces bébés gorilles, compte pour faire la réintroduction de ces bébés gorilles auprès de leur famille dans la nature. Nous l'appelons atmosphère de gorille. Tantôt le soleil, tantôt le brouillard, tantôt le froid. À un seul jour, vous vivez tous les événements. La République démocratique du Congo constitue le seul endroit sur cette terre des hommes où nous retrouvons les gorilles Berenguer Grauer, bien sûr. C'est vraiment spécial d'avoir cette sous-espèce ici. Grâce, c'est le centre qui est seul à charge de cette sous-espèce, bien sûr avec un objectif de les réintroduire dans la forêt. Lulingu, c'est un nom de village qui se situe vers le Kaouzi Biega. Nous avons souvent l'habitude de nommer nos bébés gorilles par le village où le bébé a été capturé. Parce que ce sont des individus qui ont été ravis de leur famille forcément, et cela fait en sorte qu'ils soient réellement traumatisés. Nous prenons un caregiver, un gardien, qui va faire en sorte de prétendre être les parents de ces bébés pour qu'on redonne la confiance à ces bébés et pour qu'ils sentent qu'il est aussi aimé. Les gardiens de Lulingu, nous avons mis Kambale Muviri. Et nous avons mis aussi Madame Devote. Ce sont ceux-là qui ont pris soin de Lulingu depuis qu'elle est arrivée ici à quarantaine jusqu'à son intégration. Combien de temps est-ce que tu passes avec Lulingu? Tout le temps, oui. Dans le matin? Oui, pendant la journée, toute la journée. Et qu'est-ce que tu fais? Je donne du lait à 7 heures juste, et des maragouja et des prunes. Je suis en patate à coula et mon père est en pôle. Un gardien qui s'efforce
de vraiment prendre soin à ça pour ça de ses bébés. Un gorille consomme beaucoup. Thank you, Olengo. Bon appétit. Il mange très bien, il n'y a pas de problème pour Olengo. Ici, Olengo, il vit très bien. En fait, les bébés gorilles, ils aiment jouer beaucoup, ils sont curieux. Tout qui est chez l'homme est chez le gorille. Nous les considérons comme des membres de famille. Quand les bébés sentent que voilà, j'ai retrouvé mon parent. Et c'est à ce moment-là que nous allons maintenant à l'étape suivante, juste prendre connaissance avec la famille ici à Grasse. Les autres gorilles peuvent voir l'Olengo pour préparer l'intégration. Ici à Grasse, nous avons une femelle dominante qui s'appelle Pinga. C'est elle qui dirige la famille. Je m'appelle. Le mixage de gorilles n'est pas une chose facile. En fait, les gorilles sont très sensibles. C'est un temps qui est très dangereux. Si vous introduisez à l'improviste un bébé gorille, on risque d'avoir des accidents d'attaque. Raison pour laquelle on a toujours été prudent. Un bébé gorille signifie qu'il y a eu une famille, toute une famille qui a été décimée. Alors, le fait d'avoir un bébé, ça nous traumatise, ça nous inquiète et ça nous donne un message que dans la forêt, il y a vraiment un problème. Les différentes menaces pour les gorilles, c'est surtout la destruction de leur habitat. Avant 1994, il n'y avait pas de problème et la population de gorilles et de grauer était estimée à plus ou moins 15 000 à 17 000. Grâce a été nécessaire où on a vu que ces réfugiés ont envahi l'habitat de ces gorilles. Les conséquences de cette arrivée de ces réfugiés a eu comme conséquence la
apparition de différents groupes armés. Un groupe armé, une fois il s'installe, et donc la commercialisation de la chair de différents singes, il massacre tous les singes, les gorilles confondus. Ils ont eu des informations qu'avoir un bébé gorille, vous pouvez le vendre à chair quelque part. Et à ce moment-là, on a un problème très sérieux. Et voilà qu'aujourd'hui, la population maintenant est estimée à plus ou moins 3800. De 17 000 à 3800, ça fait une diminution de 70 à 80%. Et ça met déjà les gorilles de Grauer dans un statut d'une sous-espèce à danger d'extinction. Il faut vraiment fournir un effort pour sa protection. Le fait que notre rêve, c'est que grâce n'ait plus de bébés, et là, ça témoignera suffisamment que non, à la forêt, les gorilles vivent très bien. Quand il va dans les autres pour l'intégration, il va s'entrer très bien parce que c'est mieux les bébés pour rester avec les autres gorilles. Mon bébé, comment? C'est comment mon bébé? C'est l'intégration aujourd'hui. Oling. Oling. Puis saluer les autres. Oling. Ça va? Tu vas saluer les autres. Tu peux saluer Pinga. Ça va? Ok. Good luck. Après l'avoir introduit chez Pinga, Pinga a pris bonne note que l'Ulingu existe et comme ça, elle a eu le rôle de protéger l'Ulingu. Et c'était un processus qui s'est bien déroulé. Super, I'm happy. Thank you.
Yeah, she's occupied by the food. Because they are just running after the food. We will see how Kema will react. It's okay. It's fine. We have a newcomer in the group. Pink is protecting the Lingo. La caractéristique spéciale que j'ai auprès de ces animaux, on voit qu'ils sont aussi émotionnels. Lingu bye kabisa. Au revoir. Embrasser le Lingu et juste pour lui dire bienvenue dans notre vie. Et aussi sur des animaux, si une fois ne faisons pas un effort, ils vont disparaître d'ici là. Et nous avons ce devoir de les conserver pour des générations futures.